c'est la côte basque, Landes, qui pour la première fois n'aura plus personne au plus haut niveau du rugby français. Puisque Mont-de-Marsan, malheureusement pour un point, n'a pas rejoint le top 14, c'est l'ensemble de la côte basque Nantes. Dans les questions à se poser, dépasse largement et Bayonne, et Biarritz, et Dax et Mont-de-Marsan, elle touche une région de tradition rugbystique et de savoir dans un monde qui change. Qui est devenu professionnel, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, ce sont les critères et les qualités de ce qu'on appelle le libéralisme ou le capitalisme. Si on veut ou non être au plus haut niveau, exister à travers dans ce sport. Si la communauté humaine ne le souhaite pas, eh bien chacun jouera à son niveau et les villages s'amuseront entre eux. Mais ça n'a rien à voir avec le rugby.